que Robo Sniper, c'est comme les Robo Sniper de... Bon, là, ils ont plus une tête de Robo Sniper, c'est vrai, la Sniper, mais bon. D'ailleurs, eux, on n'a plus besoin de ces petits drones. Mes robots, je vais les envoyer. Donc, torpille, c'est vert, rouge, c'est attaque terrestre. Et je vais vous montrer ce dont je vous parlais. Vous avez le gros canon principal là, et à côté, vous voyez un petit canon sur une chenille gauche. Ah, il y en a deux petits, excusez-moi. Donc, je crois que ces deux petits canons, c'est l'équivalent de l'armement qu'ont les robots d'assaut. Donc, ça a vérifié, parce que je sais plus les dégâts que ça fait. Partir. Mais bon, ils sont pas si faibles que ça en fait. Vous voyez, il y a des petits tirs réguliers. Pas de dégâts par contre. Non, ça doit pas être des tirs de robots d'assaut, c'est des tirs de tanks de terrain, je sais pas. C'est vraiment des petits canons qui ont forte cadence de tir mais qui font peu de dégâts à chaque tir. Là par contre, le but c'est vraiment de raser leur armée. Hein. Enfin, raser leur production militaire. Alors, en fait, sur une map où il y a des rivières, c'est une unité ultra puissante parce que vu qu'elle est amphibie, si vous contrôlez pas à 100% la rivière, ils vont traverser le fleuve. Par exemple, à toute première map par exemple. Traverser la rivière avec ça, ils arrivent dans votre base, ils sont. Et leur tir rapide va faire ultra mag. Enfin, leur tir loin de leur camp principal. QG, j'ai rempli mon objectif et je renforce ma position. Doska terminé. Bien reçu. Terminé. Donc là, on va faire que des centrales énergétiques ici. On va peut-être la décaler un peu plus à gauche. Et on va faire beaucoup d'énergie ici parce que on a quand même quelques soucis énergétiques, je vous rappelle. Donc voilà. Voilà comment on rase. Donc ici on va en mettre deux. Ici on va en mettre. Remplissez votre objectif aussi vite que possible. Dostia terminé. Un seul. Bon bah un seul là-haut, bien évidemment. Bon, mes robots de siège, je les perds un par un, c'est pas trop grave encore. Ce sont des unités sacrifiables. Ils ont fait ce que je voulais qu'ils fassent, donc c'est parfait. Maintenant, on va prévoir la ligne antiaérienne sur le côté gauche. Bon, et pour ceux qui se posent la question, c'est quoi? Les tourelles, pourquoi j'ai pas de tourelles tech 2? Va être tourelles de défense cette faction là pour une seule bonne raison. Que je suis quand même si branc. On va peut-être quand même respecter notre archétype. J'abuse déjà des boucliers. Mais bon, si on respecte un peu la logique du jeu, techniquement cette technologie qui nous est totalement inconnue, on pourrait pas l'utiliser. Donc what the. Artoon, quel est ce bug graphique? Quel est ce bug graphique? Attendez, sérieux, c'est quoi ce bug? Oh non.
quoi ce bug? Attendez. C'est... What? J'ai un bug. Je sais pas pourquoi ça me fait ça. Comment ça se fait qu'il y a un bug graphique? C'est un bug graphique. C'est la première fois que je découvre ce bug là, donc ça... Est-ce que c'est avec tous mes boucliers? Non, c'est uniquement avec les boucliers. Bon, on va faire un pas sur le bug graphique. Hein. De toute façon, quand il y a un bug graphique, on s'en fiche. Hein. Ça sera moins joli, certes, mais bon, on n'a pas le choix. Hein. Le jeu veut bugger, le jeu bug. Nous, on doit respecter la volonté. Bon, ne me demandez pas pourquoi j'ai un bug graphique, je n'ai aucune idée. C'est la première fois que j'ai ce bug-là. Donc c'est pour ça que ça me surprend. J'ai déjà eu des freezes, tout ça, quand mon ordi n'était pas assez puissant à l'époque quand j'avais le jeu. C'était quand même un jeu très gourmand, on va pas le nier quand même. Aujourd'hui c'est pas un jeu très gourmand par rapport aux jeux qui sortent. Hein, quand on regarde du Battlefield qui sort ou d'autres jeux, bah, c'est un jeu vraiment qui est light hein, niveau ressources. Ouais, bon. C'est triste. Dommage. Mais je sais, pendant cette mission-là, j'ai encore souvenir quand. À l'époque. Je me souviens. Alors, ça serait peut-être une zone. Donc, la zone là-bas. Je sais pas. Je ne comprends pas ce bug. Bon, apparemment, peut-être ici, il y a un problème pour passer les textures sur certains bâtiments. De sûr, c'est en fait des cases de sol qui se chargent pas, en fait. Quand ça se charge pas, vous voyez, ils mettent une core par défaut, une core bug. Enfin, une core bug. Entre guillemets, bug. Mais... C'est parce qu'ils n'ont pas réussi à charger ce qui devait vraiment être chargé à cet endroit-là, je pense. Je pense qu'il se fait ce qui se passe concrètement. Votre objectif aussi vite que possible. Dostia terminé. C'est qu'en avis, le sol. Quand j'ai mis le bâtiment sur une zone de sol qui, en avis, pas. Qui a pas réussi à charger, je pense. Parce qu'il doit charger la zone de sol plus la modification due au bâtiment dessus. Et c'est sûrement ça qui doit être à l'origine de ce bug-là, en fait. Après, voilà, c'est qu'une supposition, bien évidemment. J'ai pas créé le jeu, donc je peux pas savoir c'est qu'est-ce que c'est. Donc, bon, après, rien n'en... Quand un jeu est bon, de toute façon, graphiquement, on s'en fout. Un bon gameplay vaut bien des bugs. Voilà quoi. Mais bon, après, c'est mon avis. Hein. Moi, le graphisme, je m'en suis toujours fiché. J'aime bien les jeux beaux, je vais pas le nier. Par exemple, si je joue pas du Battlefield dans une époque moderne, j'attends que le jeu soit joli. Mais quand c'est une époque futuriste ou autre, t'as tellement la possibilité d'imaginer ce que t'as envie d'imaginer. C'est pas. C'est moins grave quoi. Enfin bon, c'est un avis personnel encore une fois. C'est. Un avis qui n'engage que moi. Et je vais arriver bientôt aux 300 de pop, comme prévu. Remplissez votre objectif aussi vite que possible. Dostia terminé. Ouais, bon, aussi vite que possible, tu mets Seigneur et Défense.
Bon, après, si jamais quelqu'un qui sait exactement c'est quoi, comment marche ces bugs là, je sais qu'il y a plein de jeux qui marchent comme ça. Quand vous avez des problèmes de texture, ils chargent une autre texture, généralement en damier. Donc je pense que les damiers c'était des textures de base, puis après ils sont recouverts par d'autres textures qui sont chargées par dessus. Mais après voilà, j'ai jamais vraiment creusé la question comment il fait une map. C'est pas mon métier aussi, donc c'est sûr que j'ai pas... Bon, c'est toujours intéressant à comprendre. Hein. Excepté toi qui va me faire tous les boucliers. Voilà. Allez hop. La vache, tout ce que... Ouais, j'ai arrivé au 350. Bon bah, tu as encore des soucis là, donc... J'ai dû avoir un avis de certains secteurs de la map qui sont mal chargés. J'en ai fichtrement aucune idée, là, je vais pas me poser la question d'où ça vient. Et ça va pas me faire recommencer ma vidéo, hein. C'est pas quelques petits bugs graphiques. Autant ça serait toute la map qui serait comme ça, je dirais je referais. Genre on serait ordi, je referais. En souhaitant bien évidemment que ça se recharge correctement, mais sinon. Sincèrement, c'est négligeable quoi. Hein, pour moi, Battlefield 2142 est encore un jeu qui est largement joli. Hein. Beaucoup de personnes. Bon, d'accord, j'étais pris un mauvais exemple. Beaucoup de personnes n'apprécient pas que je... Mais pour moi, c'est le meilleur Battlefield qui a été fait. Remplissez votre objectif aussi vite que possible. Dostia terminé. Là, je vais m'attirer la haine de certaines personnes de ce que je viens de dire, mais bon. C'est aussi que tout premier Battlefield, il joue en multi, donc à partir de là, c'est sûr que mon avis sera favorable. Même si tous les même c'est différent tous les Battlefield, en fait, ce qui est bien avec Battlefield, c'est que, quelle que soit l'époque qu'ils mettent, c'est toujours jouissif à jouer, le gameplay est bon. L'époque, le thème, quand ils font un thème, est respecté, voilà. Par exemple, à Alerte Rouge 2, ils ont un thème, graphiquement, ça a vieilli, certes. Mais le thème est totalement respecté, on peut pas dire le contraire, le thème est totalement là, l'ambiance est là. Donc après, que ce soit moche graphiquement, enfin que c'est mal vieilli plutôt. Voilà, pour un jeu de... Je vais rechercher, je vais reprendre la boîte du jeu, je vous dire où est sorti. Pour un jeu de 2007, tous les objectifs ont été remplis. Préparez-vous au rappel. Le jeu a très bien vieilli. Tirez de ce caillou. QG terminé. J'ai un problème. La commande de rappel est inopérante. QG, vous pouvez confirmer? Faites-moi un diagnostic de la porte de retour. QG, répondez, QG. Oups. Nous avons perdu tout contact avec le centre de commandement. Et nous ne pouvons pas activer le rappel. Attendez, je détecte quelque chose à l'ouest. On dirait un champ de brouillage. C'est certainement ça qui nous empêche de contacter le QG. Bon. Trouvez et détruisez le dispositif de brouillage. Terminé. Commandeur, d'autres dispositifs de brouillage perturbent le champ quantique et nous empêchent d'activer le rappel ou de recevoir de l'aide. Détruisez les brouilleurs qui empêchent nos communications. Le QG pourra ensuite nous conseiller sur la neutralisation des distorsions quantiques. Dostia terminé. Un éclaireur Séraphim vient de passer au-dessus de moi. Ils savent où je suis et ne tarderont pas à attaquer. Ouais. Là, c'est l'apocalypse. Là, c'est jouissif. Bon,
m'excuse de la longueur de la mission. J'ai un visuel sur le dispositif. C'est impossible. On dirait l'un des prototypes conçus par le Dr. Brockman. Détruisez-le, il faut absolument communiquer avec le QG. Dostia, terminé. Vous avez l'autorisation de Brockman pour utiliser le devin. Il produit des milliers de nanocaméras qui vous permettent de surveiller les environs. Parfait pour se prémunir des embuscades. QG terminé. En fait, le devin vous donne une vision totale du secteur que vous jouez. Seule une espèce peut atteindre la perfection. Donc ça consomme énormément d'énergie. Oh la vache. À la position nord, elle a pris cher. C'est pas grave. Les robots sont là pour compléter le dispositif de défense de toute façon. J'ai eu beaucoup de dégâts, bon c'est pas grave. Ouais, il reste encore un petit peu d'infrastructure à démolir, mais bon c'est bon. Globalement, c'est bon. Je crois que j'ai perdu deux bombardiers. Il y en a un qui va devoir préparer un dispositif de téléporteur. Le dispositif est détruit. Dostia au QG, répondez. Il y a au moins deux sillages quantiques, il faut. Les Séraphim ont un dispositif de brouillage qui nous empêche de déclencher le rappel. Il est hors de notre zone opérationnelle. Vous devez trouver une contre-mesure. Accrochez-vous, nous vous sortirons de là dès que possible. Informez le général Hall que nous avons été trahis. Ce brouilleur a été conçu à partir d'un prototype top secret créé par le docteur Brockman. Oh non, des centaines d'unités ennemies arrivent sur moi. Sortez-nous de là, QG. Zone d'opération élargie. Commandeur d'élite, quel est votre statut? Je suis submergé. Mes défenses faibles. J'ai un visuel sur une UBC, mais elle n'est pas Séraphim. Elle est Cybran. C'est de la folie de s'opposer au maître d'Ostia. Vous allez payer pour votre insolence. X5. J'aurais dû me douter que si quelqu'un pouvait trahir notre père bien-aimé, ça serait vous. Je vais vous faire avaler vos insultes. Adieu. Ah, je suis attaqué de tous les côtés. Ils sont trop nombreux. Bien trop nombreux. Commandeur d'élite, vous me recevez? Pas assez de troupes offensives. Petite défense. Commandeur, il reste des unités ennemies qui se dirigent vers vous. Tenez votre position jusqu'à ce qu'on puisse vous rappeler que j'ai terminé. Non. Dostia. Ma chère petite Dostia. Ce n'est que maintenant que vous appréhendez votre situation. Nous savons ce que vous savez. Nous voyons ce que vous voyez. Vous ne pouvez rien contre nous. Ma chère Dostia. Elle doit rentrer à la maison. Ma chère petite. Rentrez à la maison. S'il vous plaît, retrouvez son corps et ramenez-le. Je ne peux pas la laisser là-bas. Logique. L'Antimix ! La fin de l'humanité approche. Nous vous exterminerons.
Bientôt, le maître dominera tous les Cybrans. C'est bon. Et oh. Qui se prosterneront devant lui. Merci, mon petit. Merci. C'est là qu'on voit la puissance du truc. Hein. Bon. Voilà, le problème c'est que c'est pas les défenses de Tech 3 et ça pose des problèmes. Je n'oublie jamais une insulte quelle qu'elle soit. Et j'ai perdu beaucoup de ressources, c'est pas grave. Ne vous en faites pas, c'est un véritable honneur de mourir par ma main. C'est pas grave du tout. C'est pas grave. C'est juste un gros trou dans ma base, mais voilà, c'est rien du tout, c'est négligeable. De toute façon, c'est dans la tête qu'il y a des problèmes. C'est physiquement, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Ça va être la merde. C'est là qu'on voit quand même l'efficacité des défenses de Tech 3 quand même. Quand vous jouez FTU. J'ai beau avoir prévu le coup, en avoir opté beaucoup, ça a été insuffisant pour arrêter une partie des trop petits. Oui merde, le passage sud aussi, il n'y a plus d'armée donc. Ça va faire. Il suffit juste encore d'un petit quelques tirs et j'aurais déjà dégommé un autre prototype. Oui, il suffit juste qu'ils me remettent un peu de masse et rail. Quelques UBC de soutien qui ont sauté, mais c'est pas grave. De toute façon, ils sont. Mieux vaut que ce soit des commandeurs de soutien que mon commandeur principal qui saute, bien évidemment. Sinon, j'aurais dû recommencer. Devin, j'utilise rarement, généralement un omni-radar, ça me suffit amplement. C'est pratique parce que ça vous évite d'être vu, mais ça consomme 3000 d'énergie, ce qui est énorme. Et 3000 d'énergie, généralement, vous pouvez pas vous permettre de looting ces rien que dans ça. Et par contre, ce qui me surprend, c'est que j'ai pas eu de coupure de courant, malgré tout ce que j'ai perdu. Ah bah oui. Heureusement que j'ai tous ces générateurs. On finit de réaligner les noyaux énergétiques de la porte, mais il va nous falloir encore du temps avant de vous tirer de ce guépier. D'ici là, restez en vie, QG terminé. Il y a un autre. Ça, c'est un autre prototype. Faut attaquer les prototypes en avance avant qu'ils arrivent à la base. Donc au final, vous voyez, c'est pas si simple que ça. J'avais dit qu'avec les FTE c'était le plus simple parce que c'était le plus simple. À partir du moment où vous pouvez facilement faire des grandes défenses de Tech 3, c'est ultra simple. Quand vous pouvez plus en faire beaucoup, ou vous pouvez pas du tout en faire, c'est déjà pas à mettre. Là j'ai beau avoir prévu beaucoup d'artillerie, il faut énormément d'unités. Enfin ici avec les Cybrans, il faut plus d'éventreurs d'âmes, j'aimerais en avoir 10. Pour faire face efficacement à tout ça, mais j'en ai pas dit. Et j'ai pas les ressources pour relancer la production, le problème derrière, ça coûte 120. Là, ça coûte que 120, donc je pourrais. Mais bon, voilà. Là, deuxième prototype qui arrive ici.
Pour moi, c'est intéressant. Là, on voit une vraie bataille, comment ça se passe quand on est beaucoup moins préparé que ce que j'étais moi. Voilà, donc là où on va renvoyer. Ah, ça c'est. Je consomme aussi pas d'énergie parce qu'il y a beaucoup de réparations. Là au sud, ils vont lancer un assaut, ça se voit. Là, ceux qui avancent. Bon, après, je tiens toujours, hein. On ne sait pas comment j'ai fait pour tenir jusqu'à maintenant, mais je tiens. Au sud, un autre prototype en moins. Ça, soit j'ai un peu la pression en or, un prototype ça. Quand ils sont tout seuls, de toute façon quand vous voyez une unité tout seul, vous devinez que c'est le prototype qui est envoyé. Hein. Ici, il y a deux prototypes, j'ai dégommé le deuxième avant qu'ils soient envoyés. Parce que le premier est ici, il a fait beaucoup trop de dégâts. Là, je vais aider mon cher commandeur de soutien, enfin mon commandeur principal. De toute façon, les pertes sont pas importantes dans cette mission. Sauf qu'on est plus armé. Encore quelques minutes, commandeur. Accrochez-vous. Voilà. Ce qui fera mal, c'est qu'on enverra les deux aussi en même temps. Mine de rien, ah, j'aimerais tellement avoir le Fat Boy, gars, ça serait tellement plus simple. Que Fat Boy, c'est une pièce d'artillerie incroyable. Bon, moi, les éventeurs d'âme font hors boulot. J'ai pas trop à mon. C'est qu'une. Ah, lui il part au bout. Voilà, un nouveau prototype qui part au combat. Celui-ci va aller juste derrière, donc on se priorité par priorité. Lui au nord ça passe, donc on va envoyer des renforts. Mon radar a sauté, encore une fois. Donc je vais faire un radar avec lui. Ici, on a constaté qu'il y avait un second prototype qui arrivait aussi, donc on va tout de suite aller l'aider. Bah voilà, il tire déjà. Tant qu'il n'arrive pas à m'aligner les énergies derrière, c'est bon. Pour ceux qui se posent la question, oui, c'est l'apocalypse là. Je paye chaque centimètre de terrain pour retenir, je le paye. À plein tarif. Ah, j'ai perdu ma position fortifiée ici. Mais ils sont tellement faibles en défense ici. Ah, y a un autre prototype qui vient de partir là-haut. Ah, on a tellement besoin de tout ce matériel. Moi, avec les Aeon, je me prendrai différemment. Parce que oui, après il reste ma dernière faction, ma préférée. Ça sera déjà beaucoup plus simple.
Enfin, j'aurai toutes mes ressources qui sont concentrées dans un bâtiment. Si je... C'est simple, imaginez ici, j'ai mon réacteur enfin, mon réacteur expérimental serait ici de toute façon. Ou il aurait été au plein milieu de ma base. Donc, celui que j'avais perdu, j'ai plus aucune ressource, donc même plus d'énergie pour mes boucliers. La porte est verrouillée sur Hadès. Encore 2 minutes. Terminé. 2 minutes, moi j'en compte 5, mais bon. Voilà, ici c'est bon. Bon d'accord, ici apparemment ils attaqueraient pas par là, ce qui me surprend quand même, mais on s'en tourne au nord. Ce qui est pas impossible. Hein. Je vais attaquer à Basga, elle a bien été bombardée, bien été démolie, donc je pense que je pourrai me la faire. On va peut-être me la faire plus tôt, mais bon. Ouais, il y a quasiment plus de défense qui tient. Ouais, la dernière est ici. Et par contre, toutes leurs défenses sont en dernier galon, quoi. Quand même. Si je perds trop d'éventreurs d'âmes, je pourrais plus me défendre. Déjà que c'est peu qu'il me reste d'armée, donc évitons de trop en perdre. Peut-être pouvoir me faire aussi celle d'à côté. Enfin, les bas, j'arrive à me les faire quand même. Oula. Vous perdre, vous et le commandeur d'élite d'Ostia le même jour. C'est plus que Brackman ne pourrait en supporter. Non, je survivrai. Je sais pas comment, mais je survivrai. On a verrouillé votre UBC. Encore quelques secondes. Accrochez-vous à votre siège, commandeur. Ça va secouer. Rappel. Vous l'avez échappé belle, commandeur. Content de vous retrouver en un seul morceau. Enfin, ma chère Dostia est morte, abattue par l'un des nôtres. Je suis sans voix, mon petit, sans voix. Nous approchons de la victoire, et pourtant des êtres qui nous sont proches sont capables de nous trahir. Nous devons nous occuper de l'IAQ. Ah oui, et de X5. Certains crimes sont impardonnables. Vous savez quoi faire. Pauvre Brockman. Bon, c'est pas grave. On a réussi, on s'en est sorti. Les pertes sont monumentales. Mais bon, c'était... La preuve qu'on peut gagner même en ayant fait une grosse boulette, hein, même en se préparant bien. Mais voilà, en fait, votre seule défense, c'est les éventeurs d'âmes, qu'on soit d'accord. Vos défenses antiaériennes sont là pour ça, l'artillerie pour faire face, les boucliers pour tenir. Mais les défenses de Tech 2, quand vous avez plein d'unités de Tech 3 et de prototypes, ça tient pas. C'est pour ça que la FTU est si puissante. Enfin, surtout en défense, après en attaque. En attaque brute, ça peut faire mal. Mais bon. Ok, on se retrouve dans 57 vidéos en ma compagnie. Je vous dis à une prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien. Et à ciao tout le monde.